Guillermo, il y a eu Luciana, maintenant Elisa, qui profite des deux lieux et qui nous propose quelque chose de très différent. Enfin, moi personnellement, j'ai rarement vécu ça. C'est qu'on entre dans un saut poétique total. Vous avez deux autres vidéos avec des print screens, je ne sais pas si c'est comme ça. Bon, c'est des captures d'écran sur cette page, c'est ça, donc des vidéos mises en scène. Je ne peux pas parler trop longtemps, si ce n'est du parcours d'Elisa qui est à côté de moi. Qui, évidemment, comme on est très poli, et on ne dira pas, on dira où elle est née, mais pas en quelle année. Voilà, c'était donc hier, on est bien d'accord, c'est clair. Voilà, donc elle se définit comme une artiste visuelle, elle pratique surtout la vidéo, la performance également, quand il y a des gens qui activent, par exemple, comme on est maintenant, de la performance, c'est-à-dire que vous êtes vous-même l'acteur même de son œuvre, vous rentrez dans son œuvre. C'est des choses très particulières quand même. Et peut-être que je vais laisser parler parce que actuellement elle est sur un grand projet également, que je n'ai pas tout compris parce qu'il y a beaucoup d'histoires et peut-être que tes mots le définissent mieux. Je vous prie d'accepter mes excuses de ne pas tout savoir son grand pédigré qui est très très long. Et alors c'est donc de l'applaudir, s'il vous plaît. Oui. Merci de votre présence et merci à Pierre qui a réalisé la possibilité qu'on puisse être ici dans cette ville et c'est toujours à découvrir pour moi. Et le discours que disait Pierre dans notre travail de processus, c'est un peu un processus de recherche qu'il y a aussi un fini saute politique, non? Ce que je demande, c'est une collaboration du public, c'est une co-responsabilité à faire un saut, sortir du quotidien pour entrer dans la poésie de l'œuvre. Et c'est surtout mon intérêt, non? Et alors, c'est beau pour moi voir que le public participe et que ne soit pas simplement un spectateur. Et pour moi, c'est l'essence d'utiliser des nouvelles technologies. Voilà, c'est simple, des vidéos. Mais c'était toujours que je donne ce signifier à la technologie, d'être un moyen pour que plus de public puisse participer et co-réaliser ensemble quelque chose. Et pour moi, le travail que je vise maintenant sera l'idée d'un corps collectif. Nous construisons, chacun de nous construira un petit morceau pour construire l'idée d'une humanité. Voilà, une humanité poétique, mais j'espère aussi une humanité évolutive. Donc, c'est ça, mon discours. De toujours le faire. Oh, yeah, I'm going to be smart. Oh, yeah.
ne va pas tous les jours. Hein.
Plus léger. Salut. Et puis est-ce que vous les auriez organisés sur la table là,